Vous avez déjà eu une expérience de ce genre? En 20 ans d'assistance, oui, j'ai vu pas mal de choses horribles. Non, je voulais savoir si vous aviez déjà vécu ça. Personnellement? Oui. Oui, je l'ai vécu. C'est assez moche. Mon père était un alcoolique. Un putain d'ivrogne. Il rentrait à la maison, pété, prêt à taper sur n'importe qui. Alors je le provoquais pour qu'il s'attaque pas à ma mère et à mon frère. Sympa les soirées quand il portait ses bagues. Ouais, il entrait et il posait une clé à molette, un bâton, une ceinture sur la table. Il disait, choisis. Au choix, je préfère la ceinture. Choisissez la clé à molette. Pourquoi? Pour le faire chier, c'est pour ça. Ton père adoptif? Ouais. Alors, ça donne quoi? Will présente un désordre affectif, ce genre de truc. Peur d'être abandonné. C'est pour ça que j'ai rompu avec Skyla. J'étais pas au courant. Ouais, j'ai rompu. Tu as envie d'en parler? Non. Eh Will, je sais pas grand-chose. Mais tu vois ça? Toute cette merde. C'est pas ta faute. Oui, je le sais. Regarde-moi, petit. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. Je sais. Non, non, tu ne le sais pas. C'est pas ta faute. Je sais. C'est pas ta faute. D'accord. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Ne déconne pas avec moi. C'est pas ta faute. Déconne pas avec moi, d'accord? Déconne pas avec moi, je... Pas toi. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. On les emmerde, d'accord ?